Bon anniversaire, William. Santé, la mère Locke. Allez, Scoot. Ouais! Je pensais pas vivre si longtemps. À la santé de frère Blazkowicz, le plus grand dur à cuire que j'ai jamais connu. Blazkowicz Barjo! La vache! Elle est vraiment mortelle, cette tarte à la banane. C'est Max qui l'a fait. Vexos! Ah. Et maintenant, on boit un coup. Bah! Mon Dieu, ça va sûrement me laisser un trou dans l'estomac. Alors, c'était bien, Vénus? Est-ce que tu m'as rapporté un cadeau? Eh ben, la boutique de souvenirs était fermée, mais... je t'ai trouvé ça. Nom de Dieu, parle-moi de ce vaisseau. Il faut absolument que je te parle du poisson d'argent. C'est le nom du vaisseau? Il est tout petit. Oh. C'est Grohn! Oui, Frau Grace. Tiens, j'ai besoin de ton expertise nazie pour décrypter ça. Je ne suis pas une nazie. Si tu le dis. Bref, il faut que tu nous décryptes les codes Odin pour qu'on puisse désactiver le système de défense et pirater l'Ausmerzer. Oui, Frau Grace. Mais par pitié, arrêtez de me traiter de nazi. Oh, je suis désolée. J'ai froissé ton petit égo de nazi. Va falloir t'y habituer, chérie. T'es encore là? Merde, c'est déjà vite fait chier. Ok, c'est l'heure du toast. Camarades, mes frères et sœurs, merci infiniment. Demain, on va buter du nazi jusqu'à ce qu'on ait plus de balles. Mais ce soir, la vedette, c'est notre Blazkowicz. Allez, santé, Max. Allez. Hey, c'est Magnol. Pas touche. C'est la mienne. Hey. Max. Tiens. Santé. Oh, Seigneur Tout-Puissant, c'est qui l'enfoiré qui a fait ce bordel dans les toilettes? Vous êtes des malades. Et ils ont conservé ta tête à l'intérieur de ce bouquin. Nexos! Vas-y, colle-lui un peu! Max! Nexos! Nexos! Vas-y, William, il peut encaisser. Hé, hey, lâche-moi, la grosse! Dégage de là! Hé, hey, je suis commandant d'escadre, bordel! Allez, allez! Eso, eso! Ouais! Ouais. Ah. Allez! Et le whisky? Horton fait son whisky avec du maïs. Et on a essayé parfois avec de l'orge, mais je crois... enfin, moi j'aime le sec, mais il préfère le maïs, alors... Fergus, allez, debout, tu dois prendre les commandes. Merde, où est ton bras? Grace, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre pilote est ivre-mort et qu'on devrait déjà être parti. Il peut voler dans son état. En tout cas, on peut être sûr qu'il pourra pas piloter avec un seul bras. Bon, Horton, Anya, filez-lui du café, quelque chose pour dessouler. Et Blazkowicz, essaie de retrouver son putain de bras avant que toute cette opération finisse en bordel généralisé. Fergus? Fergus! Fergus! Hey, réveille-toi. Tu m'entends? Hey. Fergus, c'est Anya. Oh. Hey. Allez. Oh. Lève-toi. Je vous dis, quand un homme est rond comme une queue de pelle, il n'y a qu'une solution. C'est-à-dire? Leur mettre un petit pelle de bois et leur donner. Bon sang, Fergus. Pourquoi il faut toujours que tu perdes ton bras? Hé, hey, frérot Blazko. Bon, écoute-moi bien, B. On a réussi à intercepter une transmission détaillant tous les matériaux de construction envoyés à l'Oberkommando sur Vénus.
sur la liste figure. Un mécapode totalement fonctionnel. Je peux vous parler? Mais en tant qu'écrivain, j'ai l'habitude d'observer les gens. Et j'ai observé notre ami, Max. Je vois au fond de lui une énorme tristesse. Il faut à tout prix l'aider. Je sais que Max adore les joueurs. Cherchez-en quand vous sortez combattre les nazis. Non, j'ai pas vu le bras de Fergus. Trop occupé à picoler, mec. Rainer Blaskovic, je ne sais pas où se trouve le bras. Blaskovic, vous voyez le plastron bélier tout rouillé dans le labo de 7. Je sais où vous pouvez en trouver un flambant neuf et en parfait état de marche. La Nouvelle-Orléans. Hé, hey, Blasco le Barjo, j'ai peut-être des infos pour toi. Hé, hey, Paris Jack, dis-moi. Je cherche le bras de Fergus. Tu l'aurais pas vu? Peut-être. J'ai discuté avec Fergus hier soir. Salut. Tu vois cette nana là-bas? Putain, mec, regarde pas! Bon, bref, écoute, je voudrais lui donner cette rose. Et je vais lui dire un truc romantique. Et toi, t'es un romantique, non? Oh, de temps en temps. C'est ça. Je vais rien dire de tendancieux, hein. C'est une fille bien, et je veux qu'elle me voie comme un type honorable. Alors, je vais lui dire ça. Maria, dès l'instant où je t'ai vu, j'ai eu envie de faire ça. Et là, je lui tends la rose et je lui dis, cette rose est le symbole de mes bonnes intentions. Je voudrais t'inviter à sortir avec moi. Si t'es sincère et que ça vient du cœur, alors ça ira tout seul. Oh putain, je suis nerveux. J'ai peur de tout foirer. Je vais jouer un truc. Ça t'aidera un peu. Oh putain. Maria, dès l'instant où je t'ai vu, j'ai eu envie de faire ça. Oh. Oh. Ça va pas? Tu me prends pour qui? Cette fois, j'en ai ras-le-bol de toi, saleté de Brad Pitt! Je vais t'apprendre les bonnes manières! Et donc, tu l'as vu sortir en courant en direction du hangar. Mm-hmm. Je crois que j'ai jamais vu un homme aussi furax. Mm. Merci. Cherche le bras dans le hangar. C'est là que Fergus s'est rendu. Très bien. Quelqu'un a vu Fergus aller au dépôt de carburant du hangar? Peut-être que son bras est resté là-bas? Parfois, t'as pas l'impression que... Ah, ce livre de merde pourrait bien prendre l'existence. Feu. Les mauvaises métaphores. Mais écoute ça. Charles se mit à travailler sur son rosier comme un jardinier au printemps. Excusez-moi, monsieur le docteur prétentieux, mais votre thriller érotique est censé m'exciter, hein? Il est pas censé faire l'exact inverse. Je suis un bras contrarié, Max. C'est tout. Les dames ne racontent pas leurs ébats. Bon, comme je suis loin de ton dame, je peux aussi bien te raconter. J'ai eu un petit moment romantique avec ton amie Bombait l'année dernière. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous, mais au final, j'apprends que je me retrouve embarquée dans une sorte de triangle amoureux avec cette nazie. Franchement, comment je pouvais savoir qu'il était pris?
On est parti à toute vapeur. Allez, mon petit bras, où est-ce que tu te caches ? Vous cherchez le bras de Fergus ? On raconte qu'il s'est disputé avec cette jolie française. Désolé, mon pote. J'ai pas vu le bras de Fergus. Quand j'ai parlé à Fergus pendant la fête, il avait encore ses deux bras. Bonjour, mon ami. Vous voulez me tuer ou quoi ? Et voilà le travail ! Le remède anti-gueule de bois du vieil Horton donne toujours satisfaction. Boum ! Qu'est-ce que vous glandez tout cela, hein ? On n'est pas censé assister à un briefing. La fête est finie, Blasco ! C'est inconcevable. Incompréhensible. Hmm. Une carte du ciel ? Mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Écoutez ça. Dans moins de 6 heures, Frau Engel fera son entrée sur le plateau du Jimmy Carver Show pour une émission en direct depuis Hollywood. Pendant que cette pétasse se fera lécher le cul devant toute la nation, on pourra s'infiltrer dans l'Ausmerzer, désactiver le système de défense Odin et lui piquer son vaisseau. Ensuite, on trouve cette pute et on la défonce. Alors ?
Frau Kreisch, j'ai décrypté les codes Odin que Herr Blaskowitz a ramené de Vénus. En fait, il s'agit d'un seul petit mot. Valhalla. Entrez Valhalla dans n'importe quel terminal Odin et vous pourrez désactiver tous les systèmes de défense automatisés. C'est magnifique. Maintenant, casse-toi, la nazie. Comme je disais, on va retrouver cette pétasse et on va la défoncer. Grace ! Quoi ? Ne me traitez plus jamais de nazi ! C'est clair ! Je ne suis pas une nazi ! Vous avez aucun droit de me traiter comme vous le faites, comme si j'étais une être inférieure, comme si je n'étais pas une être humain. Dites-le! Dites que je ne suis pas une nazie! D'accord, ça va, j'ai compris, t'es pas une nazie. Et toi? Je suis amoureuse de toi. Tu ne le vois donc pas, espèce de chat. Crétin! Et ça fait mal. Parce que tu es trop stupide pour retourner mes sentiments. Mais je vais sécher mes larmes maintenant. Je vais t'oublier et passer à autre chose. Parce que j'ai pas besoin de toi pour être heureuse. J'utiliserai juste ton corps dans ma tête de temps en temps. Pour mon seul plaisir personnel. Et ça, tu pourras rien y faire. Sigrun. Quoi? Je m'en vais, vous êtes contente? Pas question. Tu restes ici. Tu vas venir avec nous. Ok, Sig. C'est toi l'experte, on t'écoute. Il faut approcher rapidement et à basse altitude. Ça nous fera gagner du temps, avant d'être repérés par le radar d'Odin. Une fois directement sous la Hausmerze, il faudra monter rapidement à la verticale. Ça nous donnera de meilleures chances de survivre à la salve d'accueil d'Odin. Avec un peu de chance, nous serons ressortis avant qu'Odin nous envoie un missile.